l'été, les consommations de gaz sont faibles. Les réseaux gaziers ne peuvent pas accueillir toute la production de biométhane du territoire. Grâce au rebours, les producteurs de biométhane pourront désormais injecter leur gaz dans les réseaux toute l'année. La méthanisation, c'est une opportunité économique, environnementale et sociétale pour notre territoire. Elle rend des services en termes de traitement de déchets, elle apporte une activité économique complémentaire et la plus belle chose, c'est qu'elle nous apporte l'énergie de notre territoire et de plus, c'est une énergie verte. Avec le droit à l'injection, on a maintenant une nouvelle approche qui est vraiment une approche de développement territorial de la méthanisation. Dans ce cadre, les opérateurs de réseaux gaziers, dont GRT Gaz, définissent avec les acteurs locaux un schéma de raccordement et les meilleures solutions techniques pour accueillir le potentiel de biométhane du territoire. Le premier rebours qui est aujourd'hui présent dans le département montre la dynamique du département et de la région en termes de méthanisation. On a eu la chance d'être le premier site en injection agricole et on a la chance dans la région d'avoir le premier rebours présent sur le territoire.